qu'on peut juste dessiner pour dessiner et qu'en fait, déjà, avoir ça dans sa vie, c'est déjà tellement, tellement génial et c'est un outil tellement précieux. Juste de voir quelqu'un en prendre du plaisir à faire quelque chose, ça donne envie de faire pareil. Alors, je dessine depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un crayon et je dessine tout le temps. J'ai une pratique vraiment journalière. Et voilà, depuis là, je n'ai jamais arrêté. C'est portatif, c'est rapide. Pour moi, c'est vraiment la première manière de faire un montage, de juxtaposer deux choses, de les faire coexister, de révéler une idée d'une certaine manière. C'est comme une forme d'écriture où je dessine en fait un vocabulaire, une sorte de langage que j'ai développé avec une symbolique qui m'est propre. Mais donc on retrouve beaucoup de choses qui ont trait à mon quotidien, aux choses que je vais voir apparaître beaucoup dans mon champ de vision. Je fais aussi beaucoup attention à mes émotions parce que c'est vraiment une des choses avec lesquelles j'ai souvent l'impression de manquer de mots. J'avais pas forcément envie d'être dans quelque chose de didactique vraiment, mais plus d'être dans quelque chose de un peu plus immatériel, plus autour de la création et du plaisir en fait. J'ai mis à disposition des livres, des fascicules de banque, des choses un peu diverses et variées, dans lesquelles les gens pouvaient aller piocher, prendre du plaisir à s'approprier certaines choses et un peu, sans trop se poser de questions, pratiquer tous ensemble. Quand je vois des gens dessiner, justement, tu sens dans la manière qu'a la personne de juste appliquer la couleur ou juste faire son trait, tu sens le plaisir. Je trouve que c'est une chance de pouvoir pratiquer auprès d'autres personnes et de pouvoir essayer de transmettre quelque chose. Donc ce que moi je voulais, c'était surtout arriver à quelque chose d'assez universel. Et là, j'avais envie de transmettre quelque chose qui est plus trait au plaisir. Et ça, c'est un truc assez magique. Bon, c'est un peu des mots tabous, mais...